Parfois, c'est les résidents sont là, il y a besoin de beaucoup les stimuler parce que si on ne va pas les chercher, ils ne s'en croient pas capables. Ils se disent, mais de toute façon, j'ai déjà fait plein de choses, c'est pas mon âge que je vais faire. Donc, du coup, j'ai pu être référente des animateurs pour ce projet du Festival des Cannes où il y avait 11 établissements qui étaient. Qui devaient participer. Donc, on est parti d'un texte. Et ensuite, au fil des jours, on a pu broder autour. C'est vrai qu'on ne travaille pas en solitaire. Donc, il y a l'accompagnement du réalisateur. On a fait vraiment un groupe de travail avec plusieurs résidents qui ont pu apporter leurs petites notes personnelles. Donc, non seulement les résidents, mais également l'ensemble du personnel qui a joué le jeu et qui s'est impliqué également, que ce soit les aides-soignants, la directrice également, également les ouvriers de maintenance, qui se sont pris au jeu en fait. On met en avant pas que les bien portants, mais également tous les résidents, même ceux qui viennent juste en tant que figurants. Et pour certains qui sont partis, pour leur famille, c'est vraiment leur rendre hommage que de voir ce film qui les a mis en avant. Quand on côtoie au quotidien les résidents, on sent un petit peu qui pourra tenir quel rôle, et nous fallait un rôle principal. Donc c'est pour ça que Lisette, Élise Dumortier, 97 ans, est venue tout de suite en haut, en tête d'affiche. Parfois ils peuvent se sentir un petit peu en difficulté parce qu'ils se disent, tiens, s'il y a un texte, je ne vais pas me rappeler. Et puis entre les scènes qu'il a fallu rejouer parce que c'était pas le bon ton, c'était pas la bonne phrase, parce que pour plein de choses, parce qu'il y avait la fatigue également. Quoi qu'il en soit, ça a été vraiment une partie de plaisir, puisque chacun s'est investi du mieux qu'il a pu. Et Lisette, on peut dire qu'elle a crevé l'écran. Et puis c'est tellement important pour les résidents de s'impliquer, de se motiver et d'y croire, quoi, de monter les marches et qu'on leur déroule le tapis rouge. Je recommande de faire ces films et d'y croire, de croire en ce projet, et que je compte sur le soutien de votre direction et des autres membres du personnel qui seront là pour vous appuyer. Et n'oubliez pas, il y a l'association du Festival des Cannes qui s'est montée, qui pourra vous apporter tous les conseils, les soutiens dont vous aurez besoin.